Vie, il faut savoir innover. Et nous ne pouvons pas laisser notre province être à la queue de peloton. Non, ça c'est pas possible. Et c'est ainsi que nous avons pris cette initiative après avoir réfléchi. Mais il est en fait certain que l'environnement ne s'y prêtait pas avec tout ça. Ça fait 6 ans, monsieur, que nous avons commencé ce chantier. Nous ne sommes pas découragés parce que nous voulons donner à notre province son prestige d'antan. Vous savez très bien que Bukavu était connu comme ce qu'on appelait la Suisse d'Afrique. La Suisse d'Afrique. Et donc voilà, il faut revenir à cette idée première pour faire en sorte que nous, au Kivu aussi, nous soyons respectés et que les gens qui doivent nous visiter trouvent l'infrastructure digne de ce nom. Émission ya sika ya Cyprien Wechi nenge bozo mona bino moko ba belge ba sala ki moi fier ba lobby totiki Congo fin de fin ba boule ba monique Congo elenge malgré souffrance lelo ba belge ba zongi na Congo bozo mona eloko yo panorama hotel. Et ça, babiloko ya sika ya Congo. Oyo eza bolide ya mwana poto Asumani. Nenge bino moko boyebi Asumani, ye abandaye kosala na Belgique na Jekamine, après azongaki, abandaye ko ekonomize, yango alobi na kotonga epai na biso. Yango nga Cyprien Wechi na kolemba bino te bana poto na obana olakisa bino ba opportunité oyo eza na mboka oyo neti bolide oyo Asumani asalaki politique te Asumani abanaye kosala ba couple na ba politicien te azala parti politique moko te ba mama ba tata ba ndeko cotisation po ya bana Goma cotisation po la bana Bukavu. Botinda kalisu sute batu ya Goma na Bukavu bazala mayele ya nyao na ye ko découvrir awa na ye ko découvrir ba grand prêtre ya Goma ya Bukavu bana balar danger koleka ba grand prêtre ya biso ba Cyprien Wechi kaka ya munoko avocat du diable avocat du diable avocat du diable mbongo ezate banda lelo na ko conseil bino makambo ya cotisation pona Kivu makambo ya cotisation pona Bukavu bana poto bosa la yango lisusu te bazala mbongo mbongo evandi ba kote oyo yango tokolakisa bino randonnée avec les Belges. Mama Maria,
Alors, je suis Carole Monet, je travaille chez Brussels Invest et donc je suis responsable de l'Afrique pour la région de Bruxelles Capitale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objet de votre visite ici à Bukavu? Donc, on est là dans le cadre de la mission économique que nous avons organisée avec la WEX et avec le FIT, donc Flanders Invest Trade et la région de Bruxelles Capitale, bien sûr, qui est une mission qui a commencé en fait à Bujumbura dans le cadre de la semaine belge au Burundi et après qui continue dans les provinces du Kivu. Et donc on est là pour à peu près 3 jours donc à Bukavu et ensuite les entreprises vont partir à Goma avant de terminer la mission via Kigali. À peu près donc pour 5-6 jours dans les provinces du Kivu. Et quels sont les objectifs visés par cette mission? Alors on a 5 secteurs qui sont représentés actuellement dans la mission et l'objectif principal des 5 secteurs c'est de mettre en place des partenariats avec les locaux, c'est d'accentuer les relations B2B avec les entreprises congolaises et c'est évidemment bien entendu de pouvoir signer des contrats ou en tout cas des promesses qui peuvent aboutir à des contrats dans le futur, quoi. Mais je dois dire que jusque là, j'essaie de faire le tour de mes entreprises. Elles sont assez contentes, à part les petits désagréments qu'on a eu hier quand on est arrivé avec les champs. Mais bon, ça, c'est l'Afrique, ça se passe toujours un peu comme ça. Ça fait partie de l'ambiance. Sinon, pour le reste, ça va très, très bien. Les entreprises sont contentes des contacts qu'elles rencontrent actuellement au niveau des B2B ici à Bukavu. Quand on parle du Nord Kivu, du Sud Kivu, on voit directement les M23 et sur le terrain. Quelle est votre impression? Alors ça, je suis très contente de répondre à la question parce que on a pris le chemin de Bujumbura à Bukavu hier par la route des crêtes. Et je pense que pour nous, ça a été la réponse quelque part aussi à cette question de sécurité en faisant comprendre aux entreprises qu'il n'y a pas de danger. On est parti, à part les magnifiques photos que nous avons prises, on n'a rien trouvé de particulièrement dangereux. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent, bien entendu. Mais je pense que c'est très, très important que les entreprises aient pris conscience qu'elles pouvaient partir de Bujumbura à Bukavu via cette route, en passant par le Congo, en étant à l'intérieur du Congo, et que je pense qu'aujourd'hui les autorités internationales, les autorités congolaises particulièrement, font tout pour que la menace soit complètement circonscrite et même complètement annulée. Et donc il n'y a pas de problème. Nous, on était, je pense que c'était une expédition, une des plus belles qu'on a eues lors des missions, d'avoir toutes ces jeeps qui ont traversé le Congo pour venir à Bukavu. Nous, on espère être des ambassadeurs justement de cette pacification de la région. Parce que je pense que quand les entreprises vont retourner à Bruxelles, en Belgique, en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, elles vont pouvoir dire que la menace est beaucoup plus lointaine que ce qu'on pense, ou même complètement inexistante. Donc oui, pour nous, ça a été quelque chose de réel. On s'est rendu compte que la zone est complètement passée. Un petit message pour la diaspora congolaise qui hésite de venir au Congo. Écoutez, en plus, Monsieur Assoumani, sa fille et ma camarade de classe, on était à l'université ensemble, donc je l'ai revu ici à Bukavu. À quel établissement? On était à l'EFEC ensemble il y a à peu près 15 ans, hein, 15-17 ans, mais voilà, elle est revenue ici à Bukavu. Je pense que ce sont des projets comme ceux-ci qui doivent encore encourager, qui doivent nous encourager à revenir. Et moi, le travail que je fais, c'est vrai que j'ai la chance d'être en même temps à Bruxelles, mais d'avoir toujours un pied à terre vers les pays africains, qui est évidemment l'endroit où se passent les choses. Oui, il faut revenir. On a tout ici, tout se passe bien ici. Et je pense que les exemples comme ceux-ci doivent encourager nos compatriotes à ne pas hésiter à revenir au pays. Ngai Cyprien Wetchi, gardien du village, Ndekomo Nangaya Sika. Ba oyo na Bruxelles ba binga kangai avocat du diable nakutani na moko ya biso Willy Mbote wich oui au sala nini. Alors biso to saka na département ya commerce extérieur ba mission nyoso ba belge oyo prince azali ko sala na ba belge ba saka na étranger pona ko sunga ba entreprise belge biso ndet organisa kango na tikele bino Bruxelles na nakin bolandinga nakin oui au sala nini awa. C'est le retour du Tintin au Congo ou bien bah, Chinois va botter les vins aux places? Tintin au Congo, c'était une bande dessinée. Ici, c'est la réalité. Le pays est très grand, il a besoin de toutes les énergies pour pouvoir se redévelopper. Il y a une grande force au Congo, c'est
la population et des gens sont une grande force de caractère. Et je crois que c'est le devoir un peu de tout le monde si on peut essayer de faire quelque chose qu'on essaye. Donc on vit avec des entreprises qui sont des entreprises commerciales, avec des investisseurs, avec des techniciens, avec des universités qui peuvent faire simplement des études pour voir des études sur l'eau, des études sur la labellisation, des études sur la certification des produits pour donner des valeurs ajoutées aux produits congolais. Oui. Ngai eloko nini ore koyebisa biso bato ya diaspora pona biso Nord Kivu, Sud Kivu, M23, ba Mai Mai, ba Viol, ba na Bukavu, ba na Goma, ba Salakate, ba za kaka ba paresse, ba vivraka, na ba aide or sur le terrain. Ngai na moni eloko mosusu yo pe remarquer eloko wana. Bon, dynamisme les alliés, il faut que tango mboke zagina vita, bon vite et si le quoi gouverneur à l'obaki, il faut tout changer l'image on est à Sud Kivu, Keza capitale, il y a ba viol, il y a bassi, il y a ba violeur. Donc il faut absolument qu'on travaille dessus. Et la seule façon effectivement qu'on travaille dessus, c'est qu'on perdurer stabilité à paix, na stabilité à politique, pour na mboke zala kimia, batbaz à la kimia. Biso lokwa toaka lokwa na ba technologie appropriée au pays du sud, ce qui t'a aidé entrepreneur moko à son tour à aider à kozwa basali wana pe na mbongo bazwa kozwa bakotinda bana na classe. Alors wana nyo sezali kaka toza ko aider mukemke na développement, même si tozo mema mbongo nyo surtout tozo kuta pe bato basi basali biloko na bango, mais o toki ko aider pe moi mukemke na technologie na biso neti awa hotel oyo Esa ya Soumani, moko ya Bruxelles. Oui. Oui, le quoi, monsieur Soumani, à Sali Hotel, Hotel Mounene, qui est le plus grand hôtel de Bukavu, et le plus beau, le mieux installé. Je félicite Mingi pour la Moussa à Saliawa. C'est le deuxième jour, puis c'est Bafongola avec un lobby. Mais Moussa les a mis Mike Zo Salama, toujours quand on a si Malikolo, mais quand même, Tomoni n'a pas fait le Mingi. N'a Kouti pour la première fois, n'a pas na Congo, n'a Kouti quand même, Batou, Bazosan Hotel, professionnel et belé. Bazolo Ndinga ya bien, Zala anglais, le quoi, mademoiselle Aleki, Zala français, Bazako Yamba Bisso, Bazo Yamba Batunio, c'est bien. Merci, bon, on a aussi Kayo, parce que vous allez avoir boulot, ben. Banalola, bozola banalola, bozala bozonga mboka, mboka ya biso to tika ngote. Toza wana se trompete, atala tala nano, petilanga y tourner. Vana na wana tourner, on dirait Saint-Tropez. Est-ce que awa toza na Saint-Tropez ou bien toza na Bukavu? Ben tuko Bukavu, mina babia murudie kwetu, et puis to matsamboka e mata.